Allez, salut à tous, c'est CN Dogs, on se retrouve aujourd'hui pour le making of de l'animation de Steve dans la machine à laver. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite tout de suite à cliquer sur l'écran pour aller voir la vidéo et revenir juste ici après. Donc je vais apporter quelques précisions sur le personnage désarticulé comme vous le voyez dans la vidéo. Donc tout d'abord on va voir un petit peu ce que j'ai dans ma scène. Bon, j'ai un arrière-plan hein, pour avoir le blanc derrière, donc ça je peux le supprimer. Au niveau du lightning c'est vraiment vraiment bateau hein. J'ai mis genre une lumière à l'arrière ici qui va faire les ombres en fait sur les petites ombres ici qu'on voit, et puis une lumière à l'avant pour éclairer le tout, voilà. La caméra bah c'est pas tout truc très compliqué, il y a une cible et puis de l'animation, voilà. Et on va passer à la partie intéressante. Alors donc pour avoir justement cet effet de Steve complètement désarticulé, complètement mou comme un pantin en fait. Donc mon effet commence tout simplement sur le corps par appliquer une dynamique de corps. Et dans la dynamique de corps je vais utiliser le corps souple. Donc en fait si j'avais que mon truc, ce serait comme une genre je sais pas à quoi ça pourrait être apparenté dans la réalité. Enfin bref, donc c'est un truc tout mou, donc notre corps il est tout mou là. Et il va venir rentrer en collision avec donc notre tube ici, donc ça c'est juste des petites extrusions. Donc notre tube, vous voyez ici, on a une propriété dynamique de corps rigide. Et donc le torse va entrer en collision avec le tambour, qui sera le tambour de la machine. Voilà, donc en ce qui concerne le tambour de la machine, je vais tout de suite en parler, comme ça sera réglé. Donc j'ai mon tag de collision. J'ai mis ici, c'est très important de régler la forme en maillage en déplacement. Parce que si vous le laissez sur automatique, ça va faire en fait une grosse boîte. Ça va être considéré, il va considérer le tube comme une grosse boîte. Et la grosse boîte va être en fait les bords de la dynamique. Donc de la collision. Donc du coup ça sert un peu à rien. Donc il suffit de prendre maillage en déplacement pour avoir une belle collision. Voilà, et puis mon tube, le mouvement de mon tube est régi par un tag de vibration. Donc ici j'ai mis 180 degrés avec une fréquence de 1.5, bon ça c'est de petits réglages. Et c'est ce qui me permet d'avoir en fait ce mouvement du tube random en rotation sur l'axe Z tout simplement. Donc voilà, pour ce qui était du tube. Donc notre corps il est dynamique et c'est un corps souple, donc il va aller se cogner contre mon tube, donc ça c'est la base de mon effet. Et ensuite je suis venu rajouter déjà les bras et les jambes, donc on verra la tête en dernier. Alors les bras et les jambes, donc j'ai utilisé des articulations, comme vous voyez ici j'ai bien 4 articulations à chaque fois. Donc j'ai fait la même chose que pour le torse, c'est à dire que j'ai subdivisé mes bras et mes jambes en 3 parties à chaque fois, comme vous voyez ici, 3 parties, tac tac tac. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi à gérer également. Et puis en fait à chaque boucle de polygone va correspondre une articulation, donc j'ai 4 articulations du coup, donc 1, 2, 3, 4, ce qui me fait 3 os. Donc ces 3 os dessus je leur ai mis une cinématique inverse, donc voilà, rien de très compliqué. Et là c'est là que la magie apparaît, donc je mets la fin bien sûr comme d'habitude, et au lieu de faire une cible et un pôle comme j'aurais fait normalement pour faire un ring classique on va dire, je vais essayer d'aller dans l'onglet dynamique et je vais activer la dynamique, ce qui va me permettre de tout simplement vous voyez que si je vais bouger mon bras il va être tout flasque, tout blablabla. Donc ça c'est la dynamique, hop voilà je le remets à zéro. Et donc la dynamique, je vais également activer la collision dedans pour que mes bras rentrent en collision avec mon tube. Donc hop, j'active ma collision et dans la collision je glisse mon tube pour que mes bras rentrent en collision avec mon tube. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait les bras. Et pour que les bras suivent le torse, j'ai tout simplement utilisé un tag de contrainte. Donc j'ai contraint à chaque fois les bras et les jambes. J'ai contraint la première articulation, non pas la première articulation d'ailleurs, j'ai contraint carrément le maillage. Je l'ai contraint au torse. Donc vous voyez, ici dans mon tag contrainte, ma PSR, j'ai mon corps ici. Donc si je résume bien, mon torse c'est un truc tout mou, donc un corps souple qui rentre en collision avec mon tube. Et sur mon corps de souple sont attachées des articulations dynamiques qui elles vont aussi rentrer en collision avec le tube et qui me permettent d'avoir l'effet de tout mou des bras. Donc en ce qui concerne la tête c'est un petit peu plus compliqué. Alors ici j'ai 3 articulations. Elles ont toujours le même tag dynamique comme sur les bras. Sauf que quand vous voyez sur les bras, il n'y a que la première articulation qui est statique en fait. Les deux autres vont être dynamiques, mais la première est statique forcément. Donc j'avais besoin de 2 articulations, une dynamique, celle du dessus, pour mettre la tête, et une statique, celle d'en bas, pour accrocher à l'autre bout. Donc j'ai mes 3 articulations. Ici ma tête va être liée en fait avec sa peau, donc et son tag d'influence, va être liée à mon articulation du dessus.
et l'articulation du dessous pour la rester, pour qu'elle reste collée au corps. J'ai tout simplement ici sur le corps créé en fait une croix avec l'outil couteau, et donc au centre de la croix il y a un point. Et j'ai contraint mon articulation ici, ma première articulation, je l'ai contraint à rester toujours collée au point. Donc ce qui fait que quoi que fasse mon corps, même s'il se plie, cette articulation-là restera toujours contrainte justement sur ce point. Donc pour faire ça, c'était assez simple. J'ai pris un tag d'expresso, hop, comme ça. J'ai sorti mon corps, je l'ai mis dans un tag point dans expresso, donc je rentre l'objet, je rentre l'indice du point, c'était le 16e point du corps. Je rappelle que les indices des points, on les voit ici, hein, quand on sélectionne par exemple le corps. Et bien ici on voit tous les indices des points. Et ensuite j'ai dit que la position de ce point là, je voulais qu'elle rentre dans la position de mon articulation. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Et donc du coup voilà ce qu'on obtient à la fin. Si vous avez bien tout réglé, hop, je vais vous le remontrer. Play. Plouch. Et voilà, donc ça fait un effet de stiff tout désarticulé. Donc ça peut être pas mal si tu chutes, ou si vous par exemple s'il y a un personnage qui donne un coup de pied dans un autre, pour faire en fait l'effet de dynamique, ça peut être pas trop mal. Donc je vais résumer une dernière fois pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Donc en résumé, on a un corps ici qui est un corps souple. Ensuite on a des bras qui sont attachés au corps souple avec des tags de contraintes. Les bras ont des articulations dedans qui sont dynamiques et qui rentrent également en collision avec le tube. Et enfin la tête, c'est pareil, des articulations contraintes sur la tête. Et la première articulation va être toujours restée contrainte au torse grâce à un expresso. Donc voilà, c'était un petit peu technique comme explication. J'espère que vous l'avez suivi. Si vous voulez le reproduire, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous n'arrivez pas à faire des choses ou si vous avez des bugs. Voilà, donc ça peut être utile, mais c'était plus pour l'aspect technique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous !